Attention all competitors, this is your 1 minute warning. I repeat, 1 minute to race commencement. Members of the public, you now have 1 minute to reach minimum safe distance. Okay, ladies and gentlemen, fire them up! Salut tout le monde, c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve sur Carmageddon. Carmageddon est un jeu assez spécial parce que c'est un jeu... Bon, il est plutôt vieux, c'est mon premier let's play dessus, voilà, et j'espère que ça vous plaira. Je sais pas si vous avez bien vu déjà l'intro, hein. On voit un petit peu l'ambiance, hein. C'est assez trash, je dirais. Donc c'est un jeu de bagnole, un jeu de voiture, hein. C'est sorti je crois en 98. Pas de bêtises, c'était sur PS1, PC, enfin l'équivalent du PC, c'était sur DOS je crois, et une autre plateforme je sais plus, et c'est un jeu assez spécial, donc on va écrire un pseudo. Alors c'est en QWERTY, hein. C'est un jeu anglais, alors c'est un petit peu... ça pique un peu les yeux, hein. C'est sur là, je fais du vieil animateur, hein, sur animateur DOS. J'ai eu le jeu sur Steam pendant les vacances, enfin pendant les soldes de Noël, c'était 4€ je crois, je dis. Je m'en souviens de ce jeu, j'ai passé dessus. Donc on va commencer, hein, donc, première course. Alors je vous explique un petit peu le menu avant. Donc les courses, en fait je vous explique un peu le pitch aussi du jeu. Donc en fait on est dans le futur. Et le monde est un petit peu dans l'apocalypse, hein, dans l'anarchie, hein. Donc de toute façon, rien qu'au nom du jeu, hein, Carmageddon, il y a Armageddon dedans un peu. Je sais pas si vous avez le film, mais c'est un peu l'apocalypse. Donc là ils organisent des courses. En fait, je crois que le premier une série de courses, en fait, c'est un tournoi en fait. Le premier de cette course, enfin de cette série de tournois, qui la personne qui arrive premier, gagne un ticket pour aller pour partir de la Terre et aller sur une autre planète. Voilà. Et du coup, là, on commence, on est à la 99e place. Enfin, on a trois courses au début, donc on va commencer par la première. Voilà, ensuite dans le menu, donc on a View Info, donc on voit les infos de la course. Donc on voit que on voit le lieu, le nombre de piétons, le nombre de tours à faire, enfin combien de kilomètres du tour en miles,
trois tours, voilà, et puis ça explique un petit peu l'ambiance. Ensuite on voit les coureurs. Donc le bon type de vainqueur, hein. Voilà, le coureur, sa voiture. Donc bon, les voitures c'est pas vraiment les officielles, mais ça y ressemble. Donc on voit le Countach. Donc lui, bon, il est assez connu dans la série, hein, c'est Ed 101, avec la Peugeot, la Toshiba. Ceux-là on les a vus dans l'intro, hein, avec la vieille voiture. Hein. Elle est en Mercedes normalement, si je me souviens bien. Voilà. Et eux ils ont une sorte de buggy. Donc pour au début on est à 5 donc nous. Et puis on avance, puis on a de participants. Je crois que le total c'est on est 8 au total à la fin du jeu. Et puis plus on avance, plus il y a des voitures, enfin il y a des nouvelles voitures. Elles sont plus costauds. Et du coup pour les affronter, parce que dans le jeu on a trois possibilités, soit finir la course en passant tous les checkpoints, soit écraser tous les piétons qui sont sur le circuit, sur la map, soit détruire tous les adversaires. Donc moi ce que je fais en général, enfin ce que je faisais quand j'avais le jeu, c'est que je faisais à la fois la course, je détruisais aussi les autres participants, mais aussi j'écrasais les piétons, comme ça rapportait masse de crédit. Et crédit, à quoi ça sert? Ben, principalement à acheter des nouvelles pièces pour être plus costaud et pouvoir infliger plus de dégâts. De toute façon, au fur et à mesure du jeu, on est un petit peu obligé. Et aussi, on gagne d'autres voitures. Alors pour le moment, on n'a que celle-ci, deux voitures. Elle est déjà pas mal. Enfin, il faut voir ce qu'il y a sur le toit. Donc on va commencer la première course. Donc le let's play, comment ça va se goupiller? Si ça marche bien, s'il n'y a pas de plantage, par exemple là, ça frise un peu. Donc déjà la souris, hein, quand on clique il y a le sang, c'est gore. Hein. Pour l'époque c'était un peu, ben, il y a eu pas mal de réticence quand il est sorti ce jeu, surtout en France avec l'association. C'est parti. Déjà les musiques, je me souviens, je crois que j'avais pas de musique. À part celle du début avec l'intro. Voilà, le but du jeu c'est d'étroit les adversaires. Traiser des piétons pour gagner des bonus, c'est aussi du temps, parce que c'est savoir c'est un chrono qui a un timer. Donc il y a des bonus, enfin c'est un peu comme. Là, il y a deux boutons, donc il y a un bouton pour réparer, c'est l'esprit du crédit, donc là, si c'est le profit. Voilà, donc on a un nombre de tueurs, enfin de nombre de pièces à tuer, 14 sur 5. Et Wested, c'est le détruire. On va passer des lapes. Donc voilà, c'est un jeu qui est. Pour la map, on appuie sur tab et là on a la map. Ce qu'il faut savoir, c'est un peu loin. Chaque niveau a une partie, une parcelle du terrain qui est ouvert. Donc ici, on voit que y a ce terrain là. Voilà, on voit le tracé de la course, etc. Voilà. Concernant la conduite, le gameplay, bah, il est un peu rigide en fait, c'est pas vraiment, enfin c'est arcade, mais c'est pas,
cacophonie. Faudrait que j'en tue un. Alors, est-ce que je vois un... J'ai pas trop envie d'utiliser la map parce qu'en fait, quand on utilise la mini-carte, les adversaires en fait se déportent. Ils dépopent et ils pop. Ça se déplace sur la carte un peu bizarrement. Ce genre là, je fais comme ça. Ça. Des fois les... Regardez, celui qui est en dessous du 6, du CP6. Chaque fois je joue la map, dans un autre sens. Que si on a des dégâts, il suffit de faire retour arrière pour réparer. Une fois que je joue des gens, là, on a plus 8. En time. Voilà. Ça incite un peu à écraser les... S'il marche bien, c'est se déprofiler. Je vais en sortir 2-3 épisodes, voir si ça plaît bien, si j'en perds. J'ai prévu de faire en fait toutes les courses, une course par vidéo, voire deux, ça dépend le temps de la course. Il y en a certaines qui sont quand même assez longues. Voire même certaines où je vais peut-être prendre à plusieurs fois. Parce que de mémoire. À un certain moment, il y a des voitures qui sont assez dures à détruire. Je parle des gros 4x4, là. 4x4 vert et 4x4 rose. Une sorte de gros véhicule un peu chaud à détruire. Ça inflige plus de dégâts à nous que nous en fait eux. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même continuer à faire la course. Que CP, parce que quand on passe les CP, on gagne des crédits qui nous permettront de. C'est 5. En fait, là je roule, je les touche sur la vie numérique. J'ai des flèches. Les flèches en fait, elles servent à tourner la caméra. Sinon, ça sert même pas à la souris. La souris elle est pas gérée là, sur le jeu. Je rends violent, c'est faux. Faut dire que ça c'est noir comme un jeu. C'est dépissé bien en plus. Bien présent là. Sans affichage. Ça les bonus flou, ça bonus un petit peu le danger. C'est le bonus plus les plus. Sur l'espace pour faire un. Ouais, la tête du personnage qu'on fait. Alors que si on a une fille dans le jeu, choisir soit un mec, soit une fille. La fille, je crois qu'elle a un véhicule plus rapide. Lui, le mec a un véhicule plus résistant. De base. Et puis les jaunes, les rouges. C'est le même. En sachant que les voitures qu'on gagne, en fait, c'est un petit peu au hasard. Et c'est surtout les mêmes, en fait. Je pense celle-ci, on peut la gagner. Celle de Toshiba, là. Alors, on peut rouler dans l'eau, si. Mais il faut avoir un bonus pour être amphibie, en fait. C'est le bonus comme ça.
Là, on voit que la voiture se soulève et une fois qu'on l'a, on va plus vite. Elle se soulève aussi, mais un peu moins. On peut rouler sous l'eau. Voilà. On va aussi avoir des bonus. Ça, il faut éviter les bombes aussi là. Ça, c'est des bombes. Hein. Ça bousille ta bagnole. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on pousse les joueurs dessus, ben, on ne gagne pas les. Alors là je suis coincé, donc on fait sup. Là ça nous permet de nous perdre. Et ça use des crédits. L'enfant ou le dans la flotte. On va pas tuer un encore. On va continuer dans les. Fallait pas de passage. Checkpoint. Yeah. Oh, c'est bien parce que pour les coups, on a déjà le visuel des dégâts sur la voiture. On part à droite. Peut-être un esprit sur le 2, si ça va. Bon, je t'ai dit, hein, si ça marche bien, je continuerai le dessus. Voilà, il est mort en ligne. C'est sûr. On va essayer. C'est bizarre, des fois je gagne pas de points quand je les fonce dedans, mais je crois. Un peu délirant des fois. Des fois là, c'est plus des malus que des bonus aussi. Est-ce que j'ai le laser dans la tête? Bon, ça c'est les flics. Il faut savoir s'il y a des flics, mais les flics ils ont des voitures un peu spéciales. Heureusement il n'y en a pas, au premier niveau. Et c'est des gros bourrins en fait les flics. Ils ont des gros véhicules. Hop, allez. Allez, encore. Alors, il en reste combien? Il en reste 2. Voilà, faut que j'arrive à 200 tués. À 200 écrasés. On va avoir des bonus aussi en mettant les objets pour les. GTA. Sorry. Qu'on a pas que des passants à écraser aussi. Il y a des animaux, des vaches. Dans le 2, il y a des dragons, il y a des chiens. Je sais pas ce qu'il branle, à chaque fois je le vois il est en numéro. À chaque fois il est bugué. On n'y arrivera pas. Hein. Je sais pas s'il va passer par dessus. Je sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il passe. Un mur, ça,
il y a l'effet d'huile là. Laisse. Voiture déjà détruite. Ok, alors lui il va tout droit. C'est le début en fait, hein. Les buts sont un peu concons. Généralement, quand je leur fonce dedans, après ils foncent dedans aussi. Moi je fais encore un erreur. Voilà, au fur et à mesure que la voiture subit des dégâts, c'est un peu visible. Putain. Les bombes. Donc voilà, il faut savoir aussi que le timer il se bloque à 18-19-59. Il n'y a que le bois en haut à droite. C'est à 22. Franchement c'est un jeu que je vous conseille. Si vous souvenez les jeux de bagnole, un peu trash. C'est arcade. Je crois qu'en plus il y en a un bon endroit sur. Enfin j'ai acheté moi mais c'était un pack en fait. Il y a un open sur le premier, il y a le 2. Le 3 c'est TDR 2000, il est pas tip top. Hein. C'est pas sûr. Le 2 il est en 3D, enfin c'est la 3D d'époque. Et ils en font un remake aussi là sur le jeu. Stainless, je sais pas quoi, là. On a vu le logo au début. De voir ce que ça donne. Je sais pas si j'hésite à le prendre maintenant. Je tenterai qu'il soit en. Voilà, bon, j'ai gagné. C'était la première vidéo dessus. Je pense qu'on est jusqu'à la fin. Bon, ok, on va passer. Hein. Voilà, bouteille de champagne dans la tronche. Le tableau des scores. Donc là on gagne, hop, 96, 3. Voilà, et là on voit les participants, comment ils ont morflé. Alors il faut savoir que des fois les voitures sont complètement déformées, là, encore ça va. Surtout quand ils prennent des bombes, là, là on voit que des bouts de pixels. Donc une tâche la morflé de devant. Bon voilà. La première vidéo dessus, espérant que ça vous plaise. Je vais tout de suite continuer sur les deux prochains circuits, puis je verrai un peu les retours. Voilà.